Vous êtes déçue qu'elle n'ait pas eu de César bah, je suis déçue pour elle, mais comme je m'en fous un peu, donc de toute façon. Mais oui, vous en foutez. César, ça n'a jamais été votre truc. Non, je n'ai pas imprimé. Non. Oui, mais pourtant, vous en avez eu un. Vous avez été. Oui, deux fois. 15 fois. En tout cas, sûr, 10 fois dans vos premiers rôles. Elle n'est jamais allée. Et vous n'y êtes jamais allée. Mais pourquoi, c'est pas. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Mais je n'imprime pas ce truc-là, moi. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne me fait rien. Je ne sais jamais la date. Et peut-être aussi, attention, c'est parce que moi, je l'ai vu naître, cette chose-là. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai vu être conçue. Je n'ai pas rêvé en disant, tiens, il y a aussi les Césars. Y a non. Tout d'un coup, j'ai vu ce truc-là. Je me souviens, j'ai appelé Simone Signoret. On s'est appelé. Elle me dit, t'y vas, toi? Je lui dis, non, moi, j'aurais jamais. Elle dit, mais si, on pourrait parler du travail, des techniciens, enfin, des trucs comme ça. Bon. Et donc, voilà, ça discutait. On ne savait pas si ça allait marcher. Et depuis, je n'ai jamais, jamais imprimé ce genre de truc. Et les Molières, vous les imprimez? Non, mais tout ce qui est comme ça, non, je veux dire... Toutes les récompenses. Être unique sur l'année, être la meilleure et unique sur l'année, j'arrive pas. Pas pour les sportifs, oui, mais pour les artistes, j'ai beaucoup de mal à savoir qu'il y a un unique acteur, une unique... Enfin, voilà. Bon. Parce qu'il y a toujours des duos, quoi. Il y a De Funès, Bonville, Poiré, Céro et tout ça. Mais en même temps, je me pose beaucoup d'autres questions à la con, vous voyez. Les autres ne s'en posent pas, ils vont tranquillement. Oui.